Mon âme glorifie encore l'Éternel des armées. Mon âme bénit Yahvé Nissi, ce Dieu grand, ce Dieu redoutable. Ce Dieu puissant, mon âme rend toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, de ce qu'il est fidèle, de ce qu'il est bon. Mon âme bénit encore l'Éternel des armées, le Père des esprits des prophètes. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2020 et le Seigneur m'a donné de nouveau une prophétie sur la nation ivoirienne et sur l'ancien président Laurent Gbagbo. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi, le chapitre 22, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Aujourd'hui, je viens aussi vous annoncer ce que l'Éternel m'a dit. Je viens vous annoncer ce que l'Éternel m'a montré sur la nation ivoirienne et sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Le Dieu, le Père des esprits des prophètes, a ouvert mes yeux et j'ai vu l'ancien président Laurent Gbagbo se lever de sa chaise. Je l'ai vu descendre en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu marcher dans les rues de la Côte d'Ivoire, accompagné d'une très grande foule qui l'encourageait et qui le suivait dans une très grande joie. Cette foule dansait, cette foule se réjouissait de l'arrivée de cet ancien président Laurent Gbagbo. J'ai vu la foule taper des tambours, j'ai vu la foule danser et acclamer l'ancien président Laurent Gbagbo. Après que Dieu ait ouvert mes oreilles spirituelles, j'ai entendu l'ancien président Laurent Gbagbo qui a dit: je m'en vais prendre le pouvoir. Et je l'ai vu se diriger vers la présidence. Je l'ai vu se diriger vers le palais présidentiel. Et je l'ai vu accompagné de cette même grande foule qui l'encourageait et qui l'acclamait, qui levait les mains et qui était content de ce que l'ancien président soit retourné dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu l'ancien président arriver au devant de la présidence avec ses grandes foules. J'ai vu le camp opposé, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu Pierre ivoirien qui était devant le palais présidentiel. Et j'ai entendu des cris, et j'ai entendu le camp de Laurent Gbagbo qui a parlé et qui a dit: vous les militaires, vous êtes bêtés. J'ai entendu bêtés. J'ai entendu bêtés. Et je ne savais pas ce que bêtés veut dire. Et j'ai entendu des cris de joie. Après, j'ai vu comme quoi la Côte d'Ivoire coulait dans un bain de sang. Parce que j'ai entendu des cris de pleurs. J'ai entendu des cris de coups de fusil, d'armes à feu. J'ai entendu des personnes qui tiraient de partout. Et je voyais des gens tomber sur le champ de bataille. Je voyais des gens recevoir des balles sur la tête, sur le corps et partout. J'entendais des gens crier et fuir de partout. Cette joie s'est transformée en tristesse. Et j'ai vu l'ancien président Laurent Gbagbo vouloir prendre le pouvoir. Vouloir prendre le pouvoir. Je l'ai vu vouloir prendre le pouvoir. Je l'ai vu comme redevenir président de la Côte d'Ivoire. J'ai vu l'ancien président Laurent Gbagbo comme redevenu président de la nation ivoirienne. Cela a été dans l'agenda de Dieu
Et c'est ce que Dieu m'a montré de nouveau sur la nation ivoirienne et plus précisément sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Je l'ai vu redevenir comme président de la Côte d'Ivoire. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2020. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Shalom.